Il n'a pas changé. Il y a quelqu'un, Dieu n'a pas changé. He never changed. He's the same to someone that he never changed. C'est pour cela, autrefois, on chantait. C'est pas dans quelle aventure, mon frère. Sol. Ah, ok. Oh, tu peux me descendre, ami. Merci. Ça va, ami? Ça peut aller, je vois. Bon. Jésus ne change pas. Tu es avec moi? Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Et Jésus ne change. Tatou André, tu chantes avec moi? Ah, j'aime bien quand tu danses, la bonne danse de chez nous là. Hein? Quand les enfants ont fait les drapeaux, il a fallu venir nous faire les. Il est toujours le même. Ton Jésus, Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est Jésus qui ne change pas, c'est le Dieu des surprises. That Jesus that not, never changed is the God of surprise. Ma prière c'est que cette année que Dieu vous surprenne. My prayer is that this year God should surprise. Nous sommes dans la conquête, mais il faut que cette conquête puisse marquer. We are in conquer, in the conquer, but this conquer have to mark our life. Donc j'ai introduit la dernière fois le Dieu des surprises. I introduced my message last time. Et ce matin, je voudrais vous dire que le Dieu des surprises a un programme pour toi. And this morning I want to tell you that the God of surprise have a program for you. Le programme de Dieu pour ta vie. The program of God for your life. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu a un programme pour toi? Can you say to someone that God have a program? Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Can you say amen? Un amen béni. A blessed amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen à les anciens? Can you give me an amen? Gloire au Seigneur. Le programme de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut dire encore ensemble? Le programme de Dieu pour ta vie. The program of God for your life. Vous savez, chacun d'entre nous, nous utilisons des ordinateurs, n'est-ce pas? Each of us, we use computers. D'ailleurs, même les téléphones portables sont devenus des véritables mini-ordinateurs. Even our phone are mini computer. Dans beaucoup d'entre vous qui ont des Samsung, pour ne pas les citer, ou d'autres marques, il y a ce qu'on appelle Android. Many of us who have Samsung have the application called Android. Vous connaissez l'Android? You know what we call Android? C'est le programme qui permet à votre téléphone, pour ceux qui n'ont pas Apple bien sûr, qui ont d'autres téléphones, c'est le programme qui permet à votre téléphone de fonctionner. It's the program that permits your phone to work. De la même manière, Dieu a un programme pour nous. It's the same way that God have a program. Et c'est ce programme de Dieu pour nous qui permet que nous puissions vivre et continuer à fonctionner. And is that program that permits that we can live and continue to live. Même si tu ne le sais pas. Even though you didn't know it. Mais Dieu a déjà programmé des choses pour ta vie. But God had already programmed. Écoute-moi bien, aimé, ce matin. Avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta maman, il te connaissait. Before you have been made in the womb of your mother, the God knows. L'apôtre Paul va dire, avant la fondation du monde, nous existions. The apostle Paul says that before the beginning of the world, we were existing. C'est pour cela que j'apprécie ce mot qu'un chanteur canadien, je crois, a dit. Quand tu créais le monde, j'étais où? Tout près de ton cœur. There's a Canadian singer who says that when you form the world, I was near your heart. Quand Dieu créait le monde, ça m'a été auprès du cœur de Dieu. When God was created the world, the apostle was near the heart Accélé. Of God. Quand Dieu créait le monde, c'est lui qui était à côté du cœur de Dieu. Il ne savait pas encore qu'il va exister. Mais Dieu savait qu'il existerait. Dieu savait qu'il serait gauché. Dieu savait qu'il aurait des garçons. Dieu savait que ça c'est le programme de Dieu.
Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Tu peux me dire encore aujourd'hui avec moi le programme de Dieu pour ma vie. You can say the program of God for my life. En fait, c'est quelque chose que Dieu a fait qui nous facilite la vie, mais nous ne voulons pas que Dieu nous conduise. God made something that to facilitate our life, but we don't want God to direct us. Et nous voulons aujourd'hui revenir vers lui en disant Seigneur, tu as un programme pour moi. And we want to come back to him and say God, you have a program for me. Je vais entrer dans ce programme. I want to enter in this program. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je n'ai pas le temps pour développer le mot programme, mais écoutez, c'est un plan. C'est l'ensemble des choses que Dieu a prévues pour toi. It's a plan. It's the thing that God prepared for you. C'est pour cela les gens qui sont conscients de cette réalité ne se laissent pas défoncer par les événements. That is why people who know this reality don't leave themselves beat up by problems. Hier, on était avec des serviteurs de Dieu et un enfant parlait d'un autre enfant mais en disant des choses négatives. Yesterday we were with a man of God and a child was speaking against another child. Alors quand cet enfant est parti, le pasteur Jonathan m'a dit ah si le docteur André était là, quand quelqu'un parle mal de son fils, il dit au nom de Jésus sans effet. And the pastor Jonathan says that if the Dr. André was there, he would have said I curse him in the name of Jesus. En fait, il n'accepte pas que l'on dise du mal de son enfant. He didn't accept that they talk bad for his children. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Tu as un programme pour toi. God have a plan. Et il n'accepte pas que l'on dise du mal de toi là au ciel. And he didn't allow that they speak bad to you. Parce que la Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Because the Bible says that we have been created in the image of God. Et je t'ai dit que si nous connaissons que nous avons été programmés par Dieu pour Dieu. And if you knew that you have been programmed by God for God. Nous n'allons pas nous défoncer quand les événements ne tournent pas en rond. We are not for that when things are not going well. Nous dirons ça ira. We will say it will go. Ça ira. It will be okay. Dis à quelqu'un ça ira. It will be okay. Et ça va même très bien. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. Cette mentalité. This mentality. Ce sont les vainqueurs qui l'ont. It's the conqueror who have it. Et les Juifs ont cette réalité, cette mentalité là. And the Jews have this mentality. Tu es toujours avec moi? Amen. Ils savent qui ils sont. They know who they are. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Do you know who La Bible you nous sommes l'Israël spirituel. The Bible says that we are the spiritual Alors, Israel. Alors écoutons le programme de Dieu dans Luc chapitre 4. Let us listen the program of God in the book of Luke 4. Versets 16 à 22. Verse 16 to 22. Les mêmes Jésus. Luc chapitre 4 verset 16 à 22. Luc 4 verset 7 à 22. Vous êtes avec moi? Bonjour. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour de sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Ah, elle est bonne la parole. Vous l'acclamez en disant la parole. Mais elle est superbe. Alléluia. La Bible dit, il soutient toute chose par sa parole toute puissante. Ça, c'est le programme que Dieu a concocté pour nous. That is the program that God made for mais qui ne peut se réaliser que en Jésus-Christ. But that program can realize only by Jesus. Et si nous savons ces choses, if we knew that things, nous those serons things, des hommes et des femmes toujours positifs. On va lire un autre texte dans Actes des Apôtres. Acts des Apôtres, chapitre 10, verset 39. Acts 10, verse 39. Et après, je vais commencer à expliquer quelques paroles, quelques mots. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs
et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Excuse-moi, verset 38, merci. Verse 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, la anointed Jesus Christ of Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Who was going to place to place. Il faisait quoi? He was doing what? Il faisait quoi? He was doing what? Je vous entends pas. Il faisait quoi? C'est marqué là. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc on peut dire que Jésus c'est un faiseur de. Jesus is a good maker. Oh, vous n'êtes pas si convaincu. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est un faiseur? Bien. Can we say that Jesus is a good maker? C'est bien en anglais, un good maker. Yes. Mais en français c'est tout aussi bien. C'est un faiseur de bien. He's a good maker. Et si Jésus est dans ta vie? And if Jesus is in your parmi life? Parmi les ordres qu'il a reçus du Père. Among the orders that he received from Father, c'est de faire du bien. He received the il y a quelqu'un qui pense à toi chaque jour. There is someone who think of il y a quelqu'un qui day. Veille sur toi chaque jour. He think of you qui se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit bien? And he asks the question, what can I do so that my la Bible dit, comme un enfant, que sa maman console. Like a children that his mother take care of. Lorsqu'une maman a son bébé bien-aimé, parfois elle ne dort pas, oui, elle ne dort pas. When a mother have a child, sometimes il faut qu'elle voit si l'enfant respire. She look if the children breathe. Après l'enfant tout style que ah qu'est-ce qu'il a? Continue en français mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc oui, parce que j'ai dit si ça marche pas en anglais, on force en français. Ah, il faut qu'on avance d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et comment ça commence déjà les français, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant Dieu, combien de fois Jésus ne s'inquiète-t-il pas sur ta vie? But Jesus, if the mother take care of the child of Jesus, c'est un faiseur de bien. He's a good maker. La première chose que Dieu a programmée. The first thing that God programmed. La Bible dit ce jour-là Jésus est rentré dans la synagogue. The Bible says that day Jesus entered in the synagogue. Il a pris le rouleau. He took the book. Or dans Hébreux chapitre 10 verset 7, on in va the pas book le lire. Of Hebrews 10 verse 7. 4 à 7, la Bible déclare. 4 to 7. Dans le rouleau, il est question de moi. The Bible says that in le the book, rouleau, c'est-à-dire que la Bible a été écrite pour et par Jésus-Christ. The Bible has been written by and for Jesus. Et dans le rouleau, il est question de Jésus. And in the book, quand il prend le rouleau ce jour-là, when he take the quand book, il va lire le programme de Dieu, he la première chose qu'il va God, dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of God. Or, écoute-moi bien aimé, au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1. In the beginning, in the book of Genesis, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. The Bible says that the move, the Spirit lorsque of God l'Esprit de Dieu est là, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The Spirit of God was moving. Et la Bible dit la terre était tohu bohu. And the Bible says that the earth had no form. Tohu, voilà, sans forme. Là, il suit là. La terre était sans forme. Tohu bohu. C'est-à-dire que quand on voit la terre, on n'a pas envie d'y habiter. When they saw the mais la chose de la terre, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait. But the Spirit of God was. Et la Bible dit Jésus. Revêtu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand l'Esprit de Dieu est en Jésus, tu es avec moi? Amen. C'est que les choses se préparent. The Spirit of God is in Jesus, and when the Spirit of God dit à quelqu'un, les choses se préparent. Something has to happen. C'était là, je n'ai pas bien entendu. Dis à quelqu'un, les choses se préparent. Est-ce que tu es toujours avec moi? Parce que l'Esprit est sur la tête de Jésus Christ. Because the Spirit is upon the head, the head of Jesus. Le secret. Of the secret, c'est que Jésus vit en moi. Is that Jesus in me? Tu es avec moi là? Amen. Amen. Programme de Dieu. The program of God. L'Esprit de Dieu a oint Jésus Christ. The Spirit of God anointed Jesus. Oh, Jésus est en moi. Oh, Jesus is in me. Et ça, c'est le plus grand secret que nous devons saisir. And it's the biggest secret that we have to take. L'apôtre Paul va dire le secret caché de tout temps. The apostle said that the secret of all time. Mais révèle maintenant. But reveal à ses enfants. To his children. À savoir. To know. Christ en nous. Christ in us. La suite.
Christ en nous. Christ in us. Donc si tu as Jésus, so if you have sur Jesus, qui l'onction de Dieu est, upon sur qui repose le Saint-Esprit, upon whom the Spirit of God, même si dans ta vie il y avait les tori bohu, even though in your life you have no form, mais Dieu va donner une forme. But God will give a form to Dieu va donner une forme à quelqu'un aujourd'hui. God to give a form si ton CV il est tori bohu, if your CV is Dieu va donner une forme à ton CV. Là où les gens ne retiennent pas ta tête, Dieu va faire en sorte qu'on retienne ton visage. Là où les gens ne veulent pas de toi, Dieu fera que tu sois retenu et reconnu. Je m'adresse à quelqu'un. Tu es avec moi, ma fille? Ok, avance avec moi. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur Jésus. La Bible dit qu'il a été un de force. Il a été un de force. Et de puissance. Si Jésus est dans ta vie, sache que la force et la puissance de Dieu sont dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, toute chose qui est déformée à cause de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie va commencer à prendre forme. Si on t'a dit que tes intestins ne fonctionneront pas, avec la puissance et la grâce de la force de Jésus dans ta vie, tes intestins retrouveront leur forme. Je vais dire ça à quelqu'un. J'aimerais que Jésus se révèle dans notre cœur d'une autre manière, bien aimé. C'est lui qui opère, c'est lui qui ramène le programme de Dieu à l'existence dans notre vie. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'entendre Jésus te parler. What you need today is to hear Jesus. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de voir Jésus te tenir la main. You need to see Jesus to hold your hand. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu t'assures que Jésus est dans ton cœur. What I ask you, tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu t'assures que Jésus est en toi, parce que sur Jésus repose l'onction. You have to be sure that Jesus is in you. Et quand Jésus est en nous, bien aimé, toute chose devient possible. Everything becomes possible. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. J'ai envie de vous dire que Jésus vous aime aujourd'hui. Et il est prêt à faire des grandes choses pour vous ce matin. Oh Jésus. Vous avez compris? You understand? Il a été un pour toi. He has been anointed for you. Et puis la deuxième chose. And the second thing, dans le programme de Dieu. In the program of God, Jésus est la bonne nouvelle dont toi tu as besoin. Jesus is the good news that you need. Vous avez suivi ce texte de Luc chapitre 4. You understand that the text of Luke chapter 4. Tout le monde était dans la synagogue, mais ce jour-là Jésus est venu. Everyone was in the synagogue, but that day Jesus came. Il n'était pas rabbin. He was not a mais on lui a tendu le rouleau. But they give him the. Ça veut dire que là où les gens ne peuvent pas te donner l'accès. Where people cannot give. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu as l'accès. Écoute-moi, la parole de Dieu déclare. Frère, donne-moi un bon son, s'il te plaît. La parole de Dieu déclare. The Bible of God. Quand Dieu approuve la foi de quelqu'un, when God approves the word of someone, il dispose en sa faveur. He disposes for him. Même le cœur de son adversaire. Même le cœur de ses bandits. Même le cœur de ses ennemis. Même le cœur de sorciers. Ils ne peuvent plus rien contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, ma fille. When this book. Alléluia. Oui, si Jésus est dans ta vie, if Jesus is in your life, ils t'apporteront le rouleau. He will give you the, they will give you the book. T'as jamais vu les gens trembler devant toi? You didn't saw, people vous n'avez jamais expérimenté. J'aimerais que vous expérimentez davantage. I want you to see that thing. À l'époque, il n'y avait pas le TGV. C'était le train qui faisait 4 heures ou 5 heures ou 6 heures pour aller à Paris. By the time there was not TGV, there was the train. Et je devais me rendre à Paris. And I have to go. Je to vois, j'avais un mariage, c'est pour moi quelque I chose have comme a ça. Wedding, et j'étais assis dans le train normal. I was en face de moi, il y avait un monsieur qui s'avérait être un juif. Before me, there was a Jew. Je ne lui ai pas dit que j'étais chrétien. I didn't tell him that I je ne lui ai pas dit que j'avais Jésus en moi. I didn't tell him that mais il s'est mis à parler lui-même. But he started to bien talk. Mais quand Jésus s'est assis dans la synagogue, when Jesus on lui a apporté le rouleau. Bring him the book. Vas-y, lis, parce que nous, and Dieu est là. Read. Quand Jésus est là, when Jesus is there, tous les démons doivent s'éteindre. All the demons have to quand Jésus est là, when Jesus la Bible is there, dit que la terre fasse silence. The earth make silence. Tu es avec moi ce matin? Alors le monsieur commençait à me parler. And the man started to talk to me. Je ne disais, je ne l'ai pas évangélisé. I didn't give you the good news. Il a commencé. Frère Marc, tu es avec moi, mon frère. Il me pose la question. He asked me the question. Tu es pasteur? You are a pastor. Et je n'étais pas consacré pasteur. J'étais un évangéliste de temps en temps. Alléluia. Amen. Lui-même me pose la question. Mais les gens deviendront bilobés là.
Je cherche en français. Hein? Ah, blabla. People will speak. Baba. 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 Ah, baba. C'est presque pareil, mais ce n'est pas vraiment pareil. Ça va, ça. Quelqu'un a chanté, un ami à moi a chanté Qualité dans le monde, il s'appelle Carlito. Il a parlé de la diarrhée verbale. Donc la personne attrape une diarrhée verbale. Pardon pour l'expression. Est-ce que tu es avec moi? Donc il commence à parler, à ne plus savoir se retenir. Tu es pasteur? Parce que non, je ne suis pas pasteur. Après, je lui dis que je suis chrétien. Lui-même commence à me dire, and he started to say, tu sais, you know, dans ma famille, on est comme ça, comment? Les gens qui sont dans ésotériques, voilà. In our family, we are exotic. On est des ésotériques de génération en génération. Generation et je le regardais, je dis, mais pourquoi il me dit ça? Quand Jésus est en toi, bien-aimé, les gens vont venir te tendre le rouleau. People will come and give you the book. C'est pour cela que la Bible déclare. That is what the Bible vous serez la tête. You will be the head. Et non là. And not the ce n'est pas à cause de toi. It's not because ce of n'est you. Pas ta peau. Ce n'est pas ton franc parler. Ce n'est même pas bien. Mais il y a des gens qui parlent mieux que toi, qui sont plus intelligents que toi, qui sont plus beaux que toi. Mais ils n'ont pas ces choses là. Mais quand tu as Jésus en toi, même Jesus, si on te dit que t'as la mouindo, on va la boîte de belle, mais tu dis, Dieu m'a béni. Alléluia. Ah chérie, je disais, hein, quand quelqu'un te dira que regarde-moi cette blanche-là comme neige, dis, je suis belle quand même. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est à moi. Là, j'ai traduit pour ceux qui sont blancs. Tu es avec moi? Amen. C'est presque pareil. Est-ce que tu veux dire amen? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est en toi. I want to say to someone, if Jesus is in you. Les Anglais ont fabriqué des t-shirts qui, ils ont marqué, c'est keep calm. English people have a teacher. Et puis il rajoute certaines phrases. Keep calm. Mm-hmm. Keep calm, c'est ça, non? Ouais. C'est ça, keep calm, hein? Oh, keep calm. Mais là, nous, on va rajouter keep calm, Jesus is in you. Yes. Ah, vous savez pas, vous parlez anglais, hein? Vous me battez ce matin. Keep calm, Jesus is in your life. Donne-moi un sol, s'il te plaît. Au-dessus des puissants. Ensuite, j'aimerais qu'on le chante. Bien avant le monde, tu existais. La suite, jeune fille. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu. Par-dessus tout, par-dessus tout, les trésors de la terre. Écoutez, rien ne peut mesurer ta sois calme. Say to someone, be calm. Jésus est en toi. Jesus is in you. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que
que la gloire revienne à Dieu. Amen. Tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. J'étais en train de dire, dans le deuxième programme de Dieu pour nous, il nous a donné Jésus-Christ. He gave us Jesus. Il nous a donné. He gave us Jesus. Il nous a donné. He gave us Jesus. Il nous a donné. Jesus. Et quand Jésus est en nous, on donne le rouleau. And quand Jésus est en nous, il donne la suprématie. They give us the book, la Bible déclare dans le livre de Philippiens. The Bible declares il a the book of le Philippians. Pouvoir he have the power et s'assujettit to put everything. Amen. Et s'assujettit. La Bible dit the Bible says, quand Jésus est en nous when Jesus is in us, toutes les promesses de Dieu all the promises deviennent of God oui became, et amen become yes je voudrais dire à quelqu'un ce matin I want to tell to someone today, je ne sais pas dans quel domaine I don't know in which où tu as besoin que Dieu te manifeste that we need that Jesus mais cherche une promesse biblique va vers Jésus. Go to Jesus. Réclame cette promesse. And reclaim this promise. Parce qu'à travers Jésus, because through Jesus, l'amen est prononcé. Amen. Amen is pronounced. Dieu ne peut pas te refuser. God cannot refuse you. Puisqu'il t'a donné son fils unique. Because he gave his écoutez, son. L'apôtre Paul va dire. Apostle Paul will say. Lui qui ne nous a pas refusé son fils. Refuse us his son. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? How cannot he give us everything? Il y a des versets qui sont tellement puissants, bien-aimés. They are powerful verses. Que Dieu demande simplement que nous puissions les saisir. God only asks that we can que nous puissions le réclamer. We can reclaim it. Et alors le ciel dira amen. And the heaven will say amen. Et nous dirons également amen. And we will say amen again. En quoi as-tu été frustré? En quoi as-tu été frustré? À ta part d'une promesse de Dieu. Take a promises of God. Et parce que tu t'en as accaparé et que tu as Jésus. And if you take it and because you have Jesus. Le ciel dira. The heaven will say. Le ciel dira. The heaven will say. Comme les catholiques, le ciel dira. Amen. Et sans moment qu'on y parle, l'Église dit. Amen. Tu es toujours avec moi ce matin? Voilà pourquoi on disait. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Je crois qu'on parle anglais, non? Amen. On y va. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. So let the church say amen. Dis à quelqu'un, dis amen. Dis à quelqu'un, dis amen. Dis à quelqu'un, dis amen. Fonce là, dire amen. Parce que Dieu parle. Dis-lui parce que Dieu parle. Parce que Dieu parle. Because God is speaking. Il faut que j'améliore mon anglais pour qu'on n'arrête pas de me corriger tout le temps quand je parle en anglais. Alléluia. Amen. Troisième programme. Dans ce qu'on veut lire. Puisque Jésus est là, il guérit les cœurs brisés. Because Jesus is here, he healed the broken heart. Dis à quelqu'un, Jésus est un guérisseur de cœur. Jesus is the healer of broken heart. C'est toujours la sorte. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est chante. Ah, Dieu a fait des miracles, Dieu va faire encore. Amen. Marie Eden, touche ton mari. Touche-le. Non, sur l'épaule. Avec tendresse. Montre-nous que tu l'aimes. Parce que là, t'es assis comme un couple africain. Là. Hein? Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant, il sauve, il est chant. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Regarde pour ma fille, dis-lui. Chérie, Dieu va faire encore. Tell him God will make again. On fait avec tes mots, je ne sais pas si tu l'appelles Colombe, chérie, ou la paix, j'en sais rien. Est-ce qu'on veut dire amen? Amen! Écoutez! Listen.
4 qu'on a lu, in the book of Luke, l'Esprit du Seigneur est sur Jésus. The Spirit of God is upon Dieu l'a envoyé pour guérir le cœur brisé. God anointed him to heal broken hearts. Bien aimé, si Jésus peut guérir le cœur brisé, quelle chose que Dieu ne peut pas guérir? La Bible déclare dans le psaume chapitre 51, j'aimerais qu'on le lise. The Bible declares in the book of Psalms, verse 51, 51, verset 17. Verse 17. 51, verset 17. Frère Jeannot, ça va? Ok. Genèse, psaume 51, verset 17. Psalms 51, verse 17. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Parole du Seigneur. Psaume 51, verset 17. C'est ça? Non, c'est pas ce qui apparaît là-dessus. Tu peux lire sur le... Ah bon? Ça, oui. Tu as changé. Ah, c'est ma version, en fait. D'accord, tu peux lire la version qui est là sur l'écran, s'il te plaît? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu dédaignes pas un cœur brisé et contrit, parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un esprit brisé. Bien aimé, quand l'esprit, quand le cœur est brisé, when the heart is broken, nous avons un guérisseur de cœur. We have a healer of heart. Ta femme te cause des problèmes. Your wife cause you problems. La tendance humaine, c'est d'appeler les beaux parents. People have used to call the father. Les beaux parents. The father-in-law. Dis à quelqu'un grave erreur. Say to someone big mistake. Dis à quelqu'un grave erreur. Say big mistake. On répète encore. Dis encore grave erreur. Big mistake. Vous avez déjà vu une belle mère parler mal de sa fille? Et toi, tu vas parler de sa fille à sa maman. Dis à moi quelqu'un grave erreur. T'as déjà vu un papa qui parle mal de son fils à sa femme? Hein? Et toi, on va le dire ensemble? Est-ce qu'on peut dire amen? La meilleure personne à qui nous devons nous tourner s'appelle qui? Il est le guérisseur de cœur. Mais c'est pas la peine d'aller te pendre. Crois juste en Jésus, parce que quand tu vas te prendre de te suicider, ton mari ou ta femme va trouver quelqu'un rapidement. Est-ce que tu veux dire amen avec moi? Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant, il ne change pas. Dieu m'a fait des miracles, des miracles. Écoutez. C'est parce que quelqu'un a le cœur brisé. It's because someone have a broken heart. Et Jésus s'intéresse maintenant à pouvoir aider cette personne. That Jesus wants to help aider cette personne-là. Dans Jean chapitre 5. In the book of John, on va pas le lire. Il y a un monsieur. There is a man. La Bible dit qu'il avait 38 ans. Il était malade pendant 38 ans. He was sick about 38. Les gens étaient guéris parce qu'il fallait qu'ils se balancent, qu'ils se jettent dans l'eau. Mais lorsque Jésus va voir cet homme, cet homme était brisé. Le Seigneur aime les gens brisés parce qu'il peut le relever. La Bible dit qu'il prend l'indigent, il le relève d'entre le fumier et il le fait asseoir avec les grands. Lorsque le cœur est brisé, le Seigneur entend. La Bible dit qu'il ne dédaigne pas le cœur brisé. Don't leave the broken heart. Nous sommes une génération qui n'aime pas les gens faibles. We are a generation that mais Dieu aime ceux qui sont faibles pour pouvoir le relever. But God loves those people. Est-ce que tu es avec moi toujours? Amen. Cet homme n'était pas seulement malade. That man was not only healed. Tu es avec moi là? Amen. Cet homme n'était pas seulement malade. He was also healed. Mais il était également, il avait également le cœur brisé. But he had also a broken heart. Un cœur brisé. A broken heart. Il y a quelqu'un un cœur brisé. C'est pas bon. It's not bad. Parce que quand le cœur est brisé, on peut faire n'importe quoi. Because when the heart is broken, we can make everything. C'est bizarre. Hein? La plupart des meilleures chansons de slow qui sont composées dans le monde, c'est par des gens qui ont eu le cœur brisé. The best slow song that has been composed was by people who have broken heart. Lorsque Bob a chanté No Woman No Cry. When Bob Marley sing No Woman No Cry. Je ne sais pas qui d'autre, je ne sais pas si c'est un autre, bon, je ne vais pas me faire d'erreur, mais écoutez,
Mais dans le Seigneur, lorsque le cœur est brisé, c'est là qu'on compose les meilleures louanges. C'est là qu'on chante. Heart, Dieu songs. Va faire encore. C'est là qu'on chante. C'est là qu'on chante. Tu te rends compte? Bolingo ya na Yesu e bolingo ya sukate. C'est-à-dire que quand on chante, on dit tu m'aimes plus, c'est pas grave, il y en a un qui m'aime encore. Amen. L'amour entre Jésus et moi, c'est l'amour éternel. Bon, je ferme la parenthèse. Écoutez, le Seigneur, quand tu vois les cœurs brisés, when God see broken heart, il a vu cet homme. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là autour de la piscine. There were many people who were beside him. Lisez Jean chapitre 5. Mais pourquoi Jésus s'est adressé à cette personne-là? Parce que dans le programme de Dieu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que ce matin tu as un cœur brisé? Parce que ton mari t'a fait des misères, parce que ta femme t'a fait des misères, parce que tes enfants te font des misères. Parce qu'entre nous, les enfants peuvent nous faire aussi des misères. Est-ce qu'on peut dire amen? Entre nous, on en a fait des misères aussi à nos parents. Quand tu deviens parent, c'est normal qu'on te rende la monnaie de ta pièce. Mais béni soit Dieu, les enfants de miel sont gentils. Alléluia. Amen. Cet homme avait le cœur brisé. Jésus s'approche en disant, Jesus come to us, veux-tu être guéri? And ask to him, do you want to be healed? Quand le cœur est brisé, que Jésus se présente. When the heart is broken, on est lutte. When Jesus came, we didn't fight. Il a accepté. He accept. Et il a fait la guérison venir and dans son corps. He saw the healing. Le Seigneur, quand tu guéris, il commence par guérir le cœur brisé. When the Jesus healed, he started to heal the heart. Lorsque cette femme est venue vers Jésus, when this woman came before Jesus, pour être guérie, to be healed, Jésus, plutôt cet homme qui a été ramené par quatre personnes, when sûrement, that man came, Jésus ne lui a pas dit sois guéri de ton mal. Jesus didn't say, Jésus lui a dit mon fils, tous tes péchés sont pardonnés. Jesus said that all your sins have been, la personne était guérie automatiquement. The person was, parce qu'il commence par guérir le cœur qui est malade. Because he started to heal the heart was sick. Et lorsque le cœur est guéri, and when the, la puissance the qui est en lui, la force qui est en lui, the power lui permet de guérir également le corps. Permet to heal the body also. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. Lorsqu'il sort d'une certaine ville, when he came out from a town, il rencontre un cortège funéraire. He met a cottage. La Bible dit que c'était une femme veuve qui allait enterrer son fils unique. Je ne sais pas quelle chanson cette femme elle chantait. I don't know the thing that mais that c'est qu'elle est réelle, c'est qu'elle avait le cœur. But what is real is that she has. Mais les guérisseurs de cœur brisé a croisé le cortège de cette femme. Écoutez, lisez la Bible. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un a intercédé Jésus pour cette femme-là. Jésus est lui-même. Jesus by himself. Il va aller toucher le cercueil. He go and. Est-ce que quelqu'un s'est maté dans un cercueil? Est-ce que quelqu'un s'est maté dans un cercueil? Si tu es dans un cercueil, Jésus va toucher ton cercueil aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, il va toucher le cercueil. Et les gens vont s'arrêter. Un seul mot. Dis à quelqu'un un seul mot. Dis un mot. Jésus. Dis un seul mot. La Bible dit, ce jour-là, Jésus va dire, jeune homme, lève-toi. Young man, stand up. Et les guérisseurs de cœur brisé. And the healer of broken en fait, heart, il a guéri cette femme he en ressuscitant son fils. His son. Vous comprenez? Amen. Peut-être ton cœur est brisé parce que tu es au chômage. Maybe your heart is broken because you didn't ton cœur est brisé parce qu'il y a un péché qui s'attache à toi et que tu ne peux pas t'en défaire. Your heart is broken because you have a sin that you cannot. Et c'est une maladie, je ne sais pas. Maybe a sickness. Mais écoute-moi. But listen to me. Quel que soit la peine de ton cœur, no matter the pain of your heart, il guérit le cœur brisé. He healed the broken heart. Il guérit le cœur brisé. He healed the broken heart. Que le Seigneur nous aide et nous fasse du bien. May God help you, help mais us pour que le programme de Dieu marche pour nous, but so that the program of God work, nous devons faire un pas de foi. We want, we have to make a quelqu'un step un pas of de faith. Foi. We have to make a step of faith. Écoutez-moi, comment quelqu'un qui ne marche pas, on lui lève toi marche et il marche. How can a person that doesn't work and tell to him stand up and walk? J'en parlerai dimanche prochain. Il a fallu que cette personne dans sa tête, vous savez quand quelqu'un est fadio, mambenga. Quand quelqu'un est handicapé, when someone doesn't walk, tout son corps et son esprit sont conditionnés à être handicapés.
All his body and his soul, he's conditioned to be. Toi, tu ne sais pas marcher. Tu n'as jamais marché. On te dit lève-toi et marche. Donc, il faut que quelque chose se passe dans ta manière de penser. You didn't walk, and they tell to you stand up and walk. Okay, something has to happen in your heart. Beaucoup de miracles ne viennent pas dans notre vie. Many miracles parce que notre mode de penser. Because our thinking. On te dit viens. They tell to you marche sur l'eau. Walk upon the water. La réponse que nous donnons, c'est impossible, Seigneur. The answer is that it's impossible, God. Parce que tu as été conditionné à dire c'est impossible. Because you have been conditioned. Même les Français ont inventé un adage qui dit impossible n'est pas français. Even the French people make a word that they say that impossible is not French. En France, on dit ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. In France, they say that they didn't have petrol, but they Et toi, tu es le fils du royaume. And you are the son of the king. Tu dois reconditionner. You have to recondition. Là où ils disent que c'est impossible. When they say that it's impossible. Dieu peut te dire c'est possible. God can say that it's possible. Oh, autrement dit, pour que le programme de Dieu se mette en marche dans ta vie. For the program of God to work. Se mette en marche dans ta vie. Tu dois apprendre à vivre dans l'impossible. You have to learn to work in the impossible. Tu dois apprendre à vivre dans l'impossible. You have to learn to work in the impossible. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. May God bless us. Montre-moi la foi, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, on se met debout s'il vous plaît. On ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la foi, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu y es là, j'irai. Encore. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte. On ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon village et de marcher sur tes eaux. Le courage de détruire et oublier le passé, de le poser à tes pieds. Donne-moi le courage. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu m'assures que je suis.